Danielle travaille à la Ligue contre le cancer. Elle intervient dans le cadre du programme Ligue Entreprise au sein des organisations pour sensibiliser et accompagner les managers et leurs équipes au maintien et au retour à l'emploi de salariés malades. Ligue Entreprise, c'est une démarche qui vise à prévenir des risques de désinsertion professionnelle post-cancer avec une découverte de l'entreprise, la signature d'une charte, un plan d'action et une évaluation de cette action. Elle propose aujourd'hui aux salariés de cette entreprise d'expertise comptable un atelier sur la question cancer et travail. On va faire un jeu. Vous allez prendre le dé. Cet atelier a pour but de changer le regard sur le cancer. Ça se fait de façon ludique pour dédramatiser ce thème de cancer et travail. Notre président a perdu sa sœur relativement jeune. Nous avons perdu un associé chez Amaris d'un cancer il y a quelques années. C'est un sujet qui est tellement tabou, il faut savoir en parler. Il faut savoir avoir des clés peut-être par rapport à ça. Avant le retour au travail d'un collègue, quelles sont les bonnes idées ou pratiques pour faciliter sa reprise ? C'est important de sentir que, en quelque sorte, on rentre à la maison, quoi. Mon travail, c'est déjà d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire de revenir après un cancer. Est-ce que c'est juste une parenthèse qu'on ferme ? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui sont à mettre en place ? Et en fait, personne n'est préparé. La personne qui est malade n'est pas préparée à ça. L'équipe du travail n'est pas préparée à ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. L'idée au travers ça, c'est d'apprendre à parler de ce sujet, certes grave, mais de mieux l'appréhender, mieux le connaître, pour rester naturel finalement face à cette maladie.